Vous allez bien? Amen, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour ma voix. Plusieurs s'inquiètent. J'ai de la voix, elle est faible, mais elle tient. J'ai pu enseigner une heure et demie jeudi soir, donc le Seigneur est avec nous. Amen. Tournons ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, le premier chapitre. Luc, chapitre 1er. Et le titre de mon message est celui-ci, l'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement. Si nous pouvons découvrir ensemble ce qui est précieux, et je dirais même très précieux, au cœur de Dieu, et si nous pouvons offrir à Dieu ce qui lui est précieux, je vous assure que nous serons bénis. Amen. Dieu veut nous bénir. Mais il faut trouver la bénédiction selon les principes du royaume de Dieu et non selon nos principes à nous ou nos compréhensions de la parole de Dieu. Il faut chercher le cœur de Dieu. Amen. Or, il existe une loi dans le royaume de Dieu qui est un peu comme une loi physique dans notre monde. Comme il y a des lois physiques dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des lois du royaume de Dieu. Ce sont des principes par lesquels Dieu agit. Et il y a une loi qui apparaît maintenant à l'écran, si on peut la mettre. C'est la loi, c'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Okay, l'entraînement, on peut aussi traduire par ondulation, mais les scientifiques préfèrent le mot entraînement. Et l'entraînement, cet effet d'entraînement, c'est si je fais tomber quelque chose dans l'eau, okay, ça vient au fond de l'eau, ça remonte, il y a une force qui remonte à la surface et qui envoie des ondulations. Or, cette loi fonctionne par deux sous-lois physiques. La première, c'est la profondeur. Si l'objet ne pénètre pas assez profondément dans l'eau, ça ne marchera pas. Et c'est la même chose avec Dieu. Si la parole ne rentre pas profondément, il n'y aura pas d'impact. Et la deuxième sous-loi de ce principe, c'est ce qu'on appelle la loi de l'incrémentiel. Il faut que ça soit répété. Une fois ne suffit pas. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu doit agir encore et encore et encore et encore. Et si Dieu continue d'agir dans nos vies, eh bien, il y a quelque chose, il y a une force qui va sortir de nos vies et qui aura des ondes, un impact, un rayonnement et des ondulations autour de nous. Amen. Spirituellement parlant. Maintenant, la bénédiction de Dieu doit trouver son épicentre. Et le problème souvent, c'est qu'on cherche à ce que des choses autour de nous soient bénies. Mais Dieu doit d'abord bénir l'intérieur pour que l'extérieur en reçoive un impact. Amen. Et si vous le voulez bien, on va regarder un texte ensemble dans l'évangile de Luc qui attire vraiment notre attention ce matin. C'est l'ange Gabriel. Et ce texte est vraiment, le Seigneur a interpellé mon cœur avec ce texte. L'ange Gabriel va visiter une jeune femme, même la Bible dit une jeune fille, hein, très très jeune, Marie. Et déjà le fait que Dieu envoie un ange, c'est que c'est très important, n'est-ce pas? Deuxièmement, il va dire quelque chose à Marie qu'il n'a jamais dit à personne d'autre, ni avant, ni après dans le Nouveau Testament. Il va dire à Marie, au verset, et on va le lire ensemble, « Réjouis-toi », verset 28, « Réjouis-toi, toi, à qui Dieu a accordé sa faveur ou une grâce. Le Seigneur est avec toi. » Maintenant, le mot « faveur » ici apparaît à l'écran. Ce n'est pas une simple faveur. C'est « Marie, tu es hautement favorisée. Tu as charmé le cœur de Dieu. » Là, il faut faire attention. Parce que les catholiques ont dit qu'il fallait prier Marie. Ils ont appelé Marie la Théotokos, la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu, Dieu n'a pas de mère. Marie, c'est une sœur. Si elle a cru à Jésus jusqu'au bout, eh bien, c'est une sœur en Jésus-Christ comme nous. Elle n'a pas de titre honorifique qui dépasse les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à la prier, à l'adorer. Nous ne croyons pas à la mariolatrie ou à l'hyperdulie, qui est le culte de Marie. Les mariolâtres croient que Marie est l'égale de Dieu, qu'elle est littéralement Dieu.
l'hyperbe du lit croit que Marie n'est pas Dieu, mais qu'on peut la prier, qu'on peut passer par elle pour aller à Jésus, qu'on n'est pas assez digne d'aller directement à Jésus. Ce n'est pas biblique. Il y a un seul médiateur. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie. Et je vais vous prouver bibliquement qu'elle n'est pas meilleure que qui que ce soit, parce que le titre honorifique qu'elle a obtenu, qu'elle est la seule qui a obtenu ce titre honorifique, en lui disant, tu es hautement favorisé, tu as charmé le cœur de Dieu, c'est la seule. Mais, Paul dira aux Éphésiens, et ça apparaît maintenant à l'écran, il dira littéralement, la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, c'est le même terme grec, c'est la haute faveur que Marie a eue, nous l'avons tous en Jésus-Christ. Elle n'est pas plus favorisée que vous et moi. Donc, on ne regarde pas à elle ce matin comme quelqu'un de supérieur à nous, mais Dieu a fait d'elle, comme à travers beaucoup d'hommes dans la Bible, Dieu a fait parfois des prototypes. Un prototype, il n'est pas meilleur que les autres. C'est la première fois que Dieu fait quelque chose. Il en fait un modèle, pas dans le sens qu'il est meilleur que les autres, mais il en fait un exemple, un modèle, pour que l'on puisse comprendre, pas regarder à l'homme, mais qu'on puisse comprendre comment Dieu travaille. Amen. Et l'ange dit à Marie, tu es hautement favorisée. Pourquoi? Eh bien, il faut voir la fin de l'histoire, parce qu'elle dira à l'ange, je crois. Et la foi est toujours ce qui honore Dieu. Et Dieu dit, j'honore ce qui m'honore. Et quand elle va visiter sa cousine Élisabeth, Élisabeth dira, tu es bénie parce que tu as cru. Pas parce que tu es meilleur que les autres, parce que tu as cru. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a cru, Marie? Parce qu'on va voir ensemble quelque chose de très important ensemble ce matin. Pour que Dieu travaille en moi et que ça ait un effet d'entraînement autour de moi. Donc, Dieu veut travailler en toi, dans ton cœur, et que ça sorte de ton cœur et que ça ait un impact autour de toi. Par toi, Dieu peut toucher ton mari. Amen. Sans forcer les choses. Par toi, Dieu peut toucher tes enfants. Par toi, Dieu peut toucher tes collègues. Dieu peut toucher toute une génération à travers un homme. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il faut d'abord qu'il travaille dans l'homme, dans le cœur. Et beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, on va le voir tout à l'heure, mais beaucoup de gens aimeraient que Dieu change les choses autour d'eux. Et Dieu dit, non, je veux changer à l'intérieur de toi. Et si tu me laisses faire, si tu me laisses agir profondément, et si tu me laisses agir souvent, il y aura un effet d'ondulation. On appelle ça « the ripple effect » en anglais. Même c'est un terme utilisé même dans le business aujourd'hui. Toutes les compagnies du monde, les sociétés cherchent à avoir un « ripple effect ». Veulent avoir tout le monde voudrait, toutes les compagnies voudraient qu'on achète plus leur téléphone, voyez-vous. C'est ce qu'on appelle le « ripple effect » du commerce. Mais si Dieu peut agir en Bernard, et que Bernard ouvre son cœur à Dieu, il laisse Dieu agir, eh bien, il y a quelque chose qui va sortir de Bernard et qui aura un impact autour de lui. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cru. Mais elle a cru quoi? C'est ce que j'aimerais vous démontrer aujourd'hui. C'est tellement clair, ça, dans la Bible. Elle a accepté, ça apparaît à l'écran, premièrement, un changement de perspective. Et deuxièmement, elle a accepté un changement de priorité. Je m'explique. D'abord, un changement de perspective. Marie était dans un monde qui n'attendait pas le Messie comme il est arrivé. Vous comprenez? Les Juifs, pharisiens, judaïsants, n'attendaient pas le Fils de Dieu. Ce que je vous dis, c'est un fait historique. Et encore aujourd'hui, les Juifs n'attendent pas le Fils de Dieu. Ils attendent un Messie humain. Ils attendent un homme politique, riche, puissant, influent, pas nécessairement le Fils de Dieu. Et Jésus a fait tout le contraire. Il n'était pas riche, pas puissant, mais le Fils de Dieu. Et l'ange dira à Marie, il sera appelé le Fils de Dieu. Deuxièmement, les Juifs n'attendaient pas un petit enfant qui naîtrait d'une femme pauvre dans un petit village qui n'a rien, voyez-vous. Toute la descendance de David n'habitait pas à Bethléem, bien sûr. Donc,
Bethléem n'était pas le centre d'attention à l'époque. C'était un petit village perdu sur le flanc d'une colline. Les archéologues nous démontrent qu'il y avait peut-être 3, 4, 5 rues à l'époque. Il y avait peut-être une centaine d'habitants il y a 2000 ans dans ce tout petit village perdu. Et quand l'ange vient vers Marie, il lui présente quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle ne voyait pas les choses de Dieu de cette façon. Elle avait grandi, elle avait évolué, elle allait à la synagogue, dans la section des femmes. Hein, les femmes étaient un peu à l'extérieur. Merci Seigneur que c'est plus comme ça. Hein. Il y a des femmes qui peuvent s'asseoir au premier rang. Amen. Mais on lui avait enseigné de génération en génération, depuis 400 ans presque, que le Messie allait venir politique, puissant, riche, donc certainement d'une famille riche, et qu'il allait apparaître sur la scène politique, qu'il n'allait pas apparaître dans un petit village, dans une petite maison, chez une jeune femme que personne ne connaît. Non. Et l'ange lui dit, « Tu auras un fils. Voici comment Dieu va changer le monde. Il va mettre un bébé en toi. Il sera appelé le Fils de Dieu. Et son règne sera éternel. » Mais ce qui est très touchant, c'est que Marie a dit, « Ok, j'accepte. J'accepte de voir. » C'est très simple ce que je vais vous dire ce matin, mais c'est comme ça que Dieu marche. J'accepte de changer ma religion. Ça ne peut pas être plus simple. Je m'attends à un Messie, je m'attends à un Sauveur. Tout le monde s'attend au Sauveur. Vous savez que tout le monde s'attend au Sauveur? Les musulmans s'attendent à un Sauveur, les juifs s'attendent à un Sauveur, les chrétiens, tout le monde s'attend au Sauveur, tout le monde s'attend au retour du Messie. Mais tout le monde s'attend à quelque chose. Tout le monde s'attend à un homme. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Quelle est ta perspective de Dieu dans ta vie? Parce qu'une perspective, c'est un angle. Je peux regarder ma Bible à partir d'ici. J'ai un angle, j'ai une perspective des choses. Je peux m'accrocher toute ma vie à cet angle. Mais si ce n'est pas le bon, je suis perdu. Là, vous dites, mais pasteur, c'est super ce que tu prêches pour mon voisin parce que moi, je suis chrétien. Mais même en tant que chrétien, on a parfois un angle de vue qui n'est pas l'angle de Dieu. Et Dieu ne changera pas sa perspective pour moi. C'est à moi de découvrir, et c'est à Dieu dans sa grâce, il va me le révéler, bien sûr. Mais c'est à moi de comprendre comment Dieu voit les choses. Amen. Et après, j'accepte ou je refuse. Mais tout le monde peut s'accrocher à quelque chose. La preuve, c'est que si vous allez aujourd'hui dans une librairie chrétienne, vous allez trouver toutes sortes d'évangiles. C'est vrai? Il y a un pasteur qui va vous écrire un bouquin gros comme ça pour vous dire, il faut aller par là. L'autre, il va vous dire, il faut faire comme ça. L'autre, vous dire, la bénédiction, elle est comme ça. Et l'autre, vous dire, non, la bénédiction, elle n'est pas là, elle est là. Mais à un moment donné, toi, dans ta vie personnelle, il faudra que tu fasses le choix de dire, Seigneur, moi, je veux ton cœur. Je veux connaître ta perspective. Et le Seigneur te le révélera. Mais Marie a accepté, elle a été bénie, elle a été hautement favorisée. Et le mot signifie littéralement, elle a charmé le cœur de Dieu. Mes amis, écoutez-moi. Elle a charmé le cœur de Dieu. Pas parce qu'elle était meilleure que les autres, parce qu'elle a accepté de voir les choses comme Dieu. Et elle a été bénie. Elle a été hautement bénie. J'aimerais vous montrer à quel point elle a été bénie, ça paraît à l'écran. Quelques bénédictions, mais il y en a d'autres. Toi à qui Dieu a accordé sa faveur, hautement béni, hautement favorisé, charmé, tu as charmé le cœur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, acceptez de voir les choses comme Dieu. N'aie pas peur, tu n'auras plus besoin d'avoir peur. Car Dieu t'a accordé sa faveur. La faveur de Dieu n'est pas pour ceux qui sont trois fois saints. Hein. La faveur de Dieu n'est pas pour ceux qui prient 8 heures par jour, hein, parce que si vous travaillez, vous êtes vraiment mal. La faveur de Dieu n'est pas pour ceux qui connaissent des chapitres par cœur de la Bible. La faveur de Dieu n'est pas pour tous ceux qui assistent au cours de M. Boulagnon. C'est vrai. Excellent cours hein, de théologie. Mais tu peux être le plus grand théologien de Paris. Ça ne veut pas dire que tu auras la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas y aller, hein, c'est un très très bon cours. Hein.
Mais la faveur de Dieu est pour ceux qui se soumettent à vouloir penser comme Dieu. Et le petit truc auquel tu t'accroches, que tu ne veux pas, parce qu'il y a des choses qui sont entre Dieu et toi. Et le pasteur ne peut pas toucher ça, c'est entre Dieu et toi. Et toi, tu sais qu'il y a un truc que tu caches dans le fond de ta poche. Et tu dis, non, moi, je crois comme ça. Je sais que ce n'est pas biblique, je sais que, mais moi, j'y tiens. Et je vais vous dire les vraies choses. On va toujours trouver plusieurs versets pour aller dans le sens qu'on veut. Donc, il faut aller plus profondément que les versets. Quelles sont les intentions du cœur? Si ton cœur, c'est d'aller, de plaire à Dieu, de vouloir être agréable à Dieu, d'avoir le cœur de Dieu, Dieu va te révéler son cœur. Il va te dire, Christian Robichaud, tu pensais que ça marche comme ça, mais moi, l'Éternel, je t'aime, j'ai vu que tu cherches à être agréable. Regarde les choses d'une autre perspective. Et là, parce que j'accepte, la faveur de Dieu vient. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu es heureuse. C'est sa sœur qui lui dit, tu es heureuse. Toi qui as cru, dites avec moi, croire. Toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. C'est beau, hein? Et l'ange dira, rien n'est impossible à Dieu. C'est beau, hein? Elle dit même, on se souviendra de moi dans le temps. Un homme et une femme qui veut marcher dans le sens de Dieu, il laissera un héritage. Il y a quelque chose après toi, la prochaine génération. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est de dire, Seigneur, j'accepte de voir les choses de ton angle, de ta perspective à toi. Amen. Saviez-vous que d'après certaines statistiques, la grande majorité des gens qui vont à l'église viennent avec une attente secrète que Dieu réponde à un besoin précis dans leur vie. La majorité. La grande majorité des gens qui téléchargent des messages sur Internet, des prédications, téléchargent en fonction du titre et non en fonction de qui enseigne. Et peu importe si c'est un faux docteur, si le titre est intéressant et pourrait toucher au sujet qui m'intéresse, je vais l'écouter. Et les gens ne regardent pas qui enseigne, quelle est sa vie, qu'est-ce qu'il enseigne, qu'est-ce qu'il croit. Ce sont des vraies statistiques. La majorité des gens téléchargent un message sur Internet en fonction du sujet qui les intéresse. Maintenant, ce qui est encore plus grave, c'est que la majorité des sujets sont des sujets matériels. Allô? On est une église. C'est le spirituel qui devrait être le plus intéressant et pas le matériel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'évangile de prospérité est en train d'inonder le monde entier. Tous les continents, même en Chine, même en Amérique du Sud. Pourquoi? Et ça dépasse les dénominations. Ce n'est pas une question de dénomination. Il y a ça peut être des baptistes, ça peut être des assemblées de Dieu, ça peut être toutes les dénominations. Pourquoi? Parce que de plus en plus de pasteurs réalisent, si je prêche aux gens ce qu'ils veulent entendre, je vais avoir plus de gens dans mon église. On va dire les vraies choses, hein, à la caméra. Et on frappe à côté du vrai sujet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne fais pas un show ce matin, hein, je partage mon cœur. Et je suis convaincu que je partage le cœur de Dieu. Dieu veut changer ton cœur. Et après, ça aura un ripple effect, un effet d'entraînement sur les autres sphères de ta vie. On va dire les vraies choses. À quoi ça sert que Dieu te donne plus d'argent si tu ne sais pas bien le gérer? Un couple est venu me voir un jour, les larmes aux yeux, me disant, pasteur, dans mon pays, toute ma famille va dans une église et ils courent au culte le dimanche matin parce que dans cette église, on prêche aux gens qui vont faire des grandes choses, qui vont devenir grands, qui vont être importants, qui vont réussir, qui auront du succès, qui ne seront plus jamais malades. C'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Et ça touche le monde entier présentement.
Mais ça sert à quoi que Dieu guérisse tes yeux si tu utilises tes yeux pour aller pécher? Ça sert à quoi que Dieu te donne de l'argent si ton cœur est mauvais et qu'il le gère mal? Franchement, ça sert à quoi que Dieu te donne un mari si tu es pour lui taper dessus? Disons-nous les vraies choses. Ça sert à quoi que Dieu te donne un ministère international si tu ne sais pas être un bon père de famille? Ça, c'est le cœur de Dieu. Et regardez comment Dieu fait de Marie un prototype. Voyez le plan de Dieu, le projet de Dieu. Cherchez dans la Bible ce qui semble important pour Dieu. Pour que Dieu dise à une femme, tu es hautement favorisée, c'est que là, il y a quelque chose d'important. Allez creuser. Si un ange apparaît, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Et regardez le processus de Dieu. Je vais mettre un petit fœtus en toi. Il va être le sauveur de l'humanité. Mais il va grandir en toi et un jour, il va sortir de toi, il va avoir un ministère. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu veut premièrement changer Christian Robichaud, mon intérieur. Il veut prendre de plus en plus de place. Il veut grandir de plus en plus dans ma vie. Et alors qu'il grandit de plus en plus, les autres aspects de ma vie seront réglés. C'est comme ça que Dieu travaille. Regardez les aspects prophétiques. Dieu créa Adam. Ça part à l'écran. Dieu créa Adam. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Regardez comment c'était prophétique. Adam, Dieu l'a pris de la terre. Il a fait un homme. Il a dit, tu retourneras à la poussière. Je t'ai sorti de la poussière. Tu retourneras à la poussière. Merci, il y a une sœur qui m'aide. Le deuxième homme, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu. Il ne l'a pas sorti de la poussière parce qu'il ne devait pas retourner à la poussière. Le deuxième homme a débuté dans le cœur d'une personne parce qu'après la croix, il devait ressusciter, aller au ciel, envoyer son esprit et revenir dans le cœur d'une personne. Voyez-vous le cycle de Dieu? Comprenons comment Dieu travaille. Il fait une prophétie avec Adam. Je te tire de la terre, tu retournes à la terre. Christ, tu commences dans le sein d'un être humain et tu finiras dans le sein d'un être humain. Le plan de Dieu, c'était que Jésus soit en Marie, sort un ministère, meurt à la croix, ressuscite, monte à la droite de Dieu, nous acquiert par son sang le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit revient en nous, pas pour faire de nous des gens bizarres. On va parler d'un autre monde. Il y a des gens qui, au nom du Saint-Esprit, font des choses bizarres, qui ne sont pas bibliques. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour, de joie, de paix, de patience. Je répète, patience. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prophétisent à tour de bras, mais ils sont impatients. Alors, ce n'est pas bon. Allô? Un esprit de douceur. Il y a des gens qui exercent supposément les dons de l'esprit, mais ils ne sont pas dans la douceur. Et je termine, le neuvième fruit de l'esprit, c'est un esprit de maîtrise de soi. Tu peux avoir tous les dons de l'esprit, mais si tu ne te maîtrises pas, tu n'as pas le même esprit que moi. Je ne sais pas sous quel esprit tu fais des dons, mais ce n'est pas sous l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne cherche jamais à faire un spectacle. L'esprit de Dieu cherche une seule chose, changer les vies, changer les cœurs. Il veut terminer là où Jésus a commencé. Le premier homme sort de terre, il retourne à la poussière. Le deuxième homme commence dans un cœur, le Saint-Esprit revient dans le cœur. Amen. Marie a été bénie parce qu'elle a accepté. La bénédiction, elle est
au bout de tes doigts, si tu acceptes cela, de changer de perspective de vie chrétienne. Pas d'amen. Mais j'ai foi que le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs. Maintenant, je suis au banc des élèves comme vous. Hein. Il y a plein de choses dans ma vie, plein de choses dans ma vie sur lesquelles Dieu met son doigt. Christian, tu ne me fais pas confiance là. Christian, non là. Tac, tac, tac. Et quand je résiste, la bénédiction se retire. Mais quand je dis oui, Seigneur, la bénédiction vient. La faveur de Dieu vient. Amen. Deuxièmement, premièrement, elle a accepté un changement de perspective. J'aimerais dire ceci en terminant sur ce point parce qu'il est peut-être la chose la plus importante de toute la vie. Le centre de la vie chrétienne, c'est Christ. Ce n'est pas moi. Le centre de ta vie chrétienne doit être Christ. Je m'explique. Ça va faire mal. Il faut se dire la vérité. Si à l'église, dans n'importe quelle église, on cherche à se faire du bien, Christ n'est pas au centre. Mais si dans l'église, on cherche à être agréable à Christ, Christ est au centre. Si on cherche une louange qui nous fait du bien, on n'a rien compris. Si on cherche une prédication qui nous fait du bien, on n'a rien compris. Si on cherche un ministère, une implication, un service dans l'église, pour se faire du bien, on n'a rien compris. Mais si on vient louer Dieu pour Jésus, si on cherche Christ au centre de la prédication, et si on cherche dans notre service à glorifier Jésus-Christ, alors Christ est au centre. Christ est le centre de l'univers, mon ami. Qu'il soit le centre de ma vie à moi, ça me concerne moi. Mais peu importe s'il est le centre, parce que parfois Christ est là, mais il n'est pas au centre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est dans la pièce, mais il n'est pas sur le trône. Il peut être dans un... Mais je vais vous aider à ne plus, si vous l'avez fait, si vous ne le faites pas, merci Seigneur, Dieu vous bénisse, que Dieu vous a protégé. Mais si vous avez ingurgité des fausses doctrines, j'aimerais vous aider à discerner. C'est très simple. Écoute et cherche... Est-ce que dans le message, Christ est au centre? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je n'ai pas de problème qu'un pasteur puisse parler d'un témoignage personnel, ça m'arrive parfois. Mais il y a des gens qui parlent tellement d'eux-mêmes, je m'excuse, c'est même plus une église. C'est un spectacle. On peut prêcher des principes du royaume de Dieu. On peut prêcher la patience, l'amour, la générosité. Ce sont des principes. Mais attention, nous ne sommes pas appelés à prêcher que des principes, mais appelés à prêcher une personne. Parfois, le Saint-Esprit peut dire à un pasteur, tu prêches ce principe. C'est vrai, hein? Mais globalement, on devrait prêcher une personne, Jésus-Christ. En lui sont tous les principes. Tous les principes. L'amour, la joie, la paix, la générosité, la patience... Tout est en Jésus-Christ. On peut prêcher des promesses, mais il y a mieux. En Jésus sont toutes les promesses. Je vais parler de moi, alors qu'on dit qu'il ne faut pas parler de soi. Mais quand j'étais jeune, je pense que j'avais 22 ans, à un moment donné, le Seigneur m'a touché, visité d'une façon particulière et très forte. Et j'aurai bientôt 45 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Je peux vous dire où j'étais, je peux même vous dire la température. Quand Dieu te touche, c'est très fort. Ce jour-là, Dieu m'a dit, et j'ai été instantanément rempli du Saint-Esprit. J'étais sur la rue. Je me suis mis à danser sur la rue. Je me suis mis à crier « Alléluia » sur la rue. Et ma femme peut vous dire, le dernier qui va danser sur la rue, c'est moi. Ce n'est pas mon genre. Mais quand le Saint-Esprit m'a touché, je me suis mis à danser. Je me suis mis à sautiller. J'étais avec des amis, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais rempli du Saint-Esprit. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit,
si tu poursuis toute ta vie, si tu poursuis Christ, les bénédictions te poursuivront. Je le répète, si tu poursuis Christ, les bénédictions te poursuivront. Ça n'a pas été un nuage. Il y a des moments difficiles. Mais Dieu a été fidèle. À chaque fois que j'ai dévié de la cible, j'ai perdu l'altitude. À chaque fois que j'ai mis mes yeux sur connaître Jésus, j'ai pris de l'altitude. Il faut changer de perspective. Amen. Je termine avec ceci. Elle a accepté de changer de perspective. Et en terminant, parce qu'un changement de perspective engendre un changement de priorité. J'ai raison, j'ai raison. Si je ne vois plus les choses de la même façon, je réorganise ma vie. Donc, la preuve que nos vies changent, c'est qu'on réorganise nos vies différemment. Hallelujah! Marie a accepté. Ne pensez-vous pas que cette jeune femme avait des plans? Elle était fiancée. Elle avait des plans de vie. Elle voulait fonder une famille, avoir un petit jardin, faire pousser ses tomates. Elle avait ses petits plans de vie à elle. Elle allait marier un charpentier. On va avoir une belle famille, on va avoir ceci, on va avoir cela. Et du jour au lendemain, tout a basculé. C'est vrai, hein? Le ciel lui a demandé de laisser tomber tous ses plans et de servir le plan de Dieu. Ça veut dire qu'elle a commencé à avoir un ventre. Et quand le ventre a commencé à pousser, elle a regardé son ventre, elle a dit, « Oh là là, c'est le Fils de Dieu qui est là. Chérie, tu me ramènes les meilleures tomates du marché, la meilleure huile d'olive, tu me ramènes ce qu'il y a de mieux. J'ai le Fils de Dieu à l'intérieur. » Vous imaginez comment elle a vécu? Elle n'avait jamais imaginé vivre comme ça. Elle a dû réorganiser toute sa vie. Elle devait porter le bébé. Hein? Vous avez déjà vu une femme enceinte de 9 mois qui va accoucher? Elle ne marche plus comme moi, hein? Elle marche comme ça. Hein? Et puis elle le porte, le bébé. Et puis elle s'assoit. Et puis elle se tourne. Et puis elle souffle. Là, les femmes me regardent et me disent, tu n'y connais rien. Vous avez raison, mais j'ai vu, j'ai été témoin. Hein? Marie a accepté de changer ses priorités de vie. Et parce que le Fils de Dieu est devenue la chose la plus importante dans sa vie, elle a eu la faveur de Dieu. Ça veut dire quoi pour toi et moi aujourd'hui? Je sais que nous avons tous des besoins personnels. On a tous des besoins personnels. Mais si on change de perspective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a maintenant un grand besoin personnel unique qui englobe tous nos autres besoins personnels secondaires. Notre grand besoin personnel unique, c'est Jésus-Christ. C'est le connaître. Ce qui nous inquiète, c'est de ne pas assez le connaître. Est-ce que vous êtes déjà inquiété de ne pas assez connaître Jésus? Quand on s'inquiète qu'il ne nous parle plus, c'est qu'on est un bon chrétien. Seigneur, il y a quelque chose là, le ciel s'est fermé, j'ai péché, parle-moi Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Tu vois? Quand ta communion avec Dieu est ce que tu as de plus précieux, alors vraiment tu portes Jésus en toi comme Marie. Maintenant, regardez la suite. On va la lire ensemble, en terminant. Verset 32. C'est très prophétique pour nous. Il sera grand. Dites avec moi, il sera grand. Tout ce qui est là est pour nous. Non, répétez pas ça. Il sera grand. Ça veut dire que Jésus veut être grand dans ta vie. Jean-Baptiste a dit qu'il croit, c'est que je diminue. Ça veut dire que tu te lèves demain matin et tu veux que Jésus soit glorifié. Quand la société va dans un sens qui fait honte à Dieu, ton cœur est attristé. Je vais aller très, très loin. Ça veut dire que quand je m'habille le matin, je veux glorifier Dieu. Je ne cherche pas à être regardé par les hommes. Si je suis une femme, je ne cherche pas le regard des hommes. Je ne cherche pas à séduire les hommes quand je m'habille le matin.
Je veux être agréable à Dieu. Je ne cherche pas à aller faire de l'argent au travail pour m'enrichir. Je veux être agréable à Dieu. Tu peux être médecin et aller au cabinet demain matin et dire, « Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui. Que ma vie te glorifie. » La façon dont j'élève mes enfants, c'est pour glorifier Dieu. Si je passe mon temps à crier sur mes enfants, à leur mettre une claque, il faut que je me pose des questions. Mais si mes enfants sont sur un trône, je dois aussi me poser des questions. Je cherche à glorifier Dieu. Et parce que je cherche à glorifier Dieu, je n'ai pas besoin de lire 50 bouquins pour m'en sortir. Le Saint-Esprit va m'aider. Parce que je veux qu'il soit grand dans ma vie. On continue. C'est bon, hein? Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, le trône de mon cœur. Il règnera éternellement sur un peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Là, on voit encore ce principe, l'effet d'entraînement. Dieu veut agir éternellement en toi. Une fois, deux fois, trois fois, 100 fois. Et quand Dieu agit dans ma vie, il y a un impact autour de moi. Quand Dieu agit dans mon cœur, il y a un impact autour de moi. Jésus a dit, vous êtes la lumière. On met du carburant, la flamme brille dans les ténèbres. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. On continue. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et c'est la question dont beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui. Comment Dieu va s'y prendre pour me changer? Et regardez la réponse de l'ange. L'Esprit Saint descendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mon ami, Dieu travaille d'une seule façon. Il veut s'approcher de toi. Il veut toucher ton cœur. Et si tu ouvres ton cœur, l'œuvre du Saint-Esprit va profondément en toi. Il te couvrira de son ombre. Et encore aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous couvrir de son ombre dans le lieu secret. Oui, à l'église, mais surtout dans l'intimité du lieu secret à la maison. Surtout à la maison, un temps de qualité avec Dieu. Et à la maison, ouvre la parole. Casse-toi pas la tête. Tu n'as pas besoin de faire toute une cérémonie pour faire plaisir à Dieu. Rends-toi disponible. Seigneur, je suis là, parle à mon cœur. Il te couvrira de son ombre. Il fera grandir Jésus en toi et ta vie glorifiera Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, je termine avec ceci. Ça dit, l'enfant qui naîtra, comme Marie a enfanté Jésus, et là, ça va vous bousculer théologiquement, mais Pasteur Boulagnon, on dira amen. Le ministère de Jésus sur terre est terminé. Le ministère que Jésus a fait pendant 3 ans et demi, c'est terminé. Il a été sauveur. Il est maintenant grand sacrificateur. Et il attend que ses ennemis soient mis sous ses pieds, et après, il régnera sur tout l'univers. Mais il est à la droite de Dieu, OK? C'est le peu que je comprends. Mais son ministère a changé. Jésus est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est l'ange de l'Éternel. Dans les Évangiles, il n'est plus l'ange de l'Éternel. Il est le Fils de l'homme. À la croix, il n'a plus le ministère de Fils de l'homme. À la croix, il est sauveur de l'humanité. Il monte à la droite de Dieu. Voyez-vous, Jésus change de ministère. OK? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu, par Jésus-Christ en moi et en toi, va faire sortir un ministère qui est unique pour toi. Certains sont appelés pasteurs, d'autres sont appelés choristes, chantres, missionnaires, enseignants. Il y a toutes sortes de ministères. Dieu seul sait le visage du ministère que Dieu t'a confié. Comprenez-vous? Et le problème souvent, c'est qu'on s'accorde trop d'inquiétude sur notre appel. Seigneur, à quoi tu m'appelles? Seigneur, c'est quoi mon ministère? Seigneur, c'est quoi ma place dans l'Église? Vous êtes déjà arrivé de vous poser cette question-là? Moi, oui, un peu quand même, hein, tu vois?
Mais la femme qui porte l'enfant, tout ce que Dieu lui demande, c'est de nourrir l'enfant. Il aura le visage qu'il aura. Nourris ton intimité avec Dieu. Un jour, il y a un ministère qui va sortir de toi. Il n'aura peut-être pas le visage que tu pensais, mais il sera vraiment de Dieu. Amen. J'invite les musiciens, j'ai terminé. Ça, pour moi, c'est un principe fondamental du royaume de Dieu qu'on appelle l'effet d'entraînement. Je vais raconter une parabole que j'aime beaucoup, peut-être ma parabole moderne à moi qui est ma préférée. Je ne pense pas que j'ai déjà raconté ici. Ça se passe à Londres. C'est une parabole. Hein. C'est l'histoire d'un SDF qui faisait la manche devant un hôtel très riche, des appartements de très haut standing. Et un jour, un jeune homme riche sort pour aller dans son taxi privé pour aller au travail. Il s'intéresse à cet homme pauvre. Il lui donne une pièce. Le lendemain, il parle avec lui. Il découvre que cet homme sur la rue, qui dort sur la rue, est bien, est sain d'esprit, et il peut avoir une conversation avec lui. Il passe du temps avec lui. Un jour, il l'amène à manger. Un jour, il amène deux sandwichs, il s'assoit avec lui, il mange avec lui sur la rue. Et le temps passe, les mois passent, et même peut-être les années passent, et les deux se lient d'amitié. Et cet homme s'attend toujours à ce que le jeune homme riche, héritier, sorte et le salue. Mais un matin, il n'est pas là. Alors il attend. Peut-être qu'il est parti en voyage, c'est déjà arrivé. Un deuxième matin, il n'est pas là. Un dixième matin, il n'est plus là. Alors, il va vers le portier des appartements et lui dit, « J'attends cet homme, mon ami et tout. » Et le portier avait vu la relation qu'ils avaient entre eux. Il dit, « Je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas le droit de parler. » Mais le père du fils va sortir dans quelques minutes. Et là, c'est le père. Poivre et sel, un peu âgé, tu vois. Un homme très digne, très, très riche, très puissant, sort. Et ce SDF va vers l'homme et lui dit, « Il est où votre fils? » Et le père est un peu hésitant, mais il est très triste. Il dit, « Mon fils est décédé. » Alors le SDF est brisé. Il s'assoit, il sort une feuille de papier, il prend un crayon, il avait un talent. Il fait le visage du fils. Et le lendemain, le père sort, il offre le dessin au père. « Dis-moi, j'ai vraiment connu votre fils. Voici la preuve. Je connaissais votre fils. C'est un ami. » Le père dit, « C'est pas possible. Nos rangs de société sont trop loin l'un de l'autre. » Il dit, « Voici la preuve. Je connais votre fils. » Alors le père plie le dessin en quatre, le met dans sa poche. Il ne dit rien et part. Un mois plus tard, le SDF reçoit une petite carte d'invitation. Ce sont les enchères pour vendre toutes les œuvres d'art et la fortune du fils. Et le SDF dit, « Mais je n'ai pas un sou. Pourquoi j'irai là? » Mais il a une carte officielle. Personne ne peut rentrer là comme ça. Mais il a une carte. Alors il y va. Ça soit au dernier rang. Et on lui donne une petite affiche hein, qu'on lève. Quand on veut lever le prix, on lève l'affiche. Et l'homme qui gère les enchères frappe du bois et dit, les enchères débutent. Voici la première œuvre qui est mise à la vente. Et le SDF s'ouvre les yeux, mais c'est pas possible. C'est son dessin. Et les gens commencent à râler. Ils ne veulent pas acheter un petit dessin comme ça, un petit croquis du fils, tu vois. Ils veulent les œuvres d'art. Ils veulent la richesse du fils. Et tout le monde parle. Et l'homme qui dirige les enchères se retourne vers le père. Le père dit, non, on tient, on vend d'abord le portrait de mon fils. Personne ne va acheter le portrait. Alors le SDF trouve une pièce dans sa poche. Il lève le truc. Il dit, moi j'ai un euro. Alors
celui qui dirige les enchères, tape « Vendu pour 1 €, les enchères sont conclues, terminées, rentrez chez vous. » Et les gens se mettent en colère, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe? On est venu acheter des œuvres de milliardaires, et pourquoi? » Et tout. Alors l'homme qui dirige les enchères dit « Celui qui achète le portrait achètera tout. Tout est à lui. » Dieu agit, c'est une parabole, c'est pas une histoire vraie, hein? Mais Dieu agit de la même façon. Il y a des gens qui veulent les richesses de Dieu, mais ils ne veulent pas le Fils. Ils ne veulent pas le connaître. Pour le dessiner, il faut le connaître. Et Dieu nous dit aujourd'hui, si tu veux connaître mon Fils, tu auras tout pleinement en lui. Mais un jour, on ira au ciel. On rendra compte de nos œuvres, c'est certain. Mais surtout, je rendrai compte d'une chose. Et je vous parle avec mon cœur ce matin. Avant de venir ici, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, si tu m'honores, j'honorerai cette église. Si nous voulons être une église qui honore Christ, je vous dis, cette église, elle va tenir. Cette église, elle va grandir. Mais il faut que nous soyons une église qui honore Jésus-Christ. Amen. Et ça commence avec mon cœur. Ça commence avec ton cœur. Ça commence avec un cœur qui dit, Seigneur, change-moi. Amen. On se lève ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers le Seigneur Jésus ce matin et juste dire, Seigneur, vois mon cœur, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux le Fils. Je veux connaître le Fils. Je veux que Jésus soit tout pour moi. Dites-lui maintenant en terminant ce matin. Alléluia. Prenez un instant pour prier. Là où vous êtes, tout doucement, paisiblement, faites juste dire, Seigneur, je veux que tu sois glorifié dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu sois élevé dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu sois honoré, Seigneur. Je veux Christ en moi. Alléluia. Je veux cette faveur comme Marie, Seigneur. Je veux croire au plan de Dieu. Je veux changer de perspective. Je veux changer de priorité dans ma vie. Ma carrière, je veux faire honneur à Dieu dans ma carrière, mais ma carrière n'est pas le centre. Je veux faire honneur à Dieu dans ma vie, mais ma vie n'est pas le centre. Christ est le centre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment, lui donnent une grande acclamation à notre Sauveur ce matin. Amen. Alléluia.